Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un ghost swipe. J'en ai fait un avant avec du bleu, du vert, du rose, de l'argent. Il est magnifique. Bon, par contre, le fond a bien foncé au séchage. On l'avait prévu. Enfin bref, pas de soucis. Donc sur le bleu, j'avais pas eu beaucoup de lassage et aujourd'hui, j'espère justement y arriver à avoir plus, un peu plus de lassage. C'était ça le but. Donc je suis parti sur des rouges-oranges aujourd'hui. Donc ça, c'est du rouge de cadmium foncé. Ensuite, j'ai de l'or. Du violet. J'appuie un peu trop fort, j'ai fait un gros pâté. Du cuivre, j'ai déjà mis ma base sur ma toile avant de commencer pour gagner un peu de temps. Donc là, j'ai du jaune de cadmium foncé. Ensuite, du violet, fruits rouges, non, baie sauvage. Ensuite, j'ai de l'orange jaune iridescent. Et le dernier, c'est du rouge pyrole. Donc aujourd'hui, je travaille les rouges-orange. J'aimerais bien avoir un look un peu feu, si possible. J'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de couleur. J'ai un peu trop de peinture là. J'espère que ça ira. Donc toutes mes couleurs, je les ai mélangées avec une part de peinture, deux parts de flotterol et une part d'eau. Donc j'ai mis 10 g de peinture, 20 g de flotterol et 10 g d'eau. C'est pour ça que j'ai préparé des bouteilles, parce qu'il faut très très peu de peinture. Donc je vais swiper une moitié avec mon gris anthracite et l'autre moitié sans, pour voir la différence, pour que je m'en rappelle. Donc justement, le gris anthracite qui est ma base, j'en ai préparé 180 grammes, je crois. Non, plus. Non, 180. Je vais pas y arriver. Raté.
J'ai mis 60 g de gris anthracite, 40 g de flotterol et 40 g d'eau. J'ai mis un peu moins d'eau. Parce qu'il est un peu plus fluide. Mon mélange est un peu trop. Épais, je crois. Donc je fais différentes largeurs, différentes longueurs. Je les ai tous swipés en biais. Faire un petit. Il y a du lassage, il y a du lassage, c'est déjà bien. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Passer à l'autre côté. Je peux le ramasser un peu. Hop. Donc l'autre côté. Pas de gris, j'ai dit, pour voir la différence. Non, il veut pas. Non, il veut vraiment pas l'autre côté. Je regarde en même temps, c'est pas. C'est plus beau avec le gris, je trouve. Là, je vais repasser avec le gris. Le problème, c'est que je suis déjà passé plusieurs fois, c'est pas bien. Plus on passe deux fois, plus on mélange les couleurs. En plus, je perds mes plastiques.
Ouais, peut-être que j'essaie avec du carton, en fait, le plastique, c'est peut-être pas assez rigide. Ferait peut-être quelque chose d'un peu plus rigide, justement, ça irait peut-être mieux. Je vais refaire un essai avec du carton. Bon, c'est pas trop mal. Ce qui m'ennuie, c'est là, du coup, d'avoir swipé 50 000 fois, c'est pas terrible. Et du coup, ça me fait une belle bande où j'ai pas de lassage. Là, j'ai du beau lassage. J'ai du doré, de l'orange, du rose. Voilà. Il y a du sympa. Quand elle sera sèche, elle va être plus foncée. Comme l'autre, elle va être plus foncée. Et les démarcations au bout, on les verra beaucoup moins. C'est le but. Je vais vous mettre un petit coup sur pause. Je vous montre ça de plus près. À tout de suite. Ben voilà. Si j'ai pas posté la vidéo avant qu'elle soit sèche, ce que je ferai, c'est que je rajouterai un petit clip au bout, peut-être, ou je mettrai la photo de la toile sèche avec la vidéo sur Facebook directement. Il y a du beau lassage là. C'est pas évident à montrer, mon téléphone a du mal à faire la mise au point. Ouais, peut-être un peu plus loin. Il y a du lassage sympa, les couleurs elles sont assez mélangées, elles sont bien. Comment dire? Je ne sais pas. Ça va, ça va. Bon, dans le feu, il n'y a pas de rose, mais. Que du rouge et du jaune, ça me déprimait un peu. Enfin voilà. Le look est là, j'espère qu'au séchage, ce sera au séchage, ce sera beaucoup mieux. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.